Salut, c'est Léonard. Aujourd'hui, on est à Lyon pour mettre la main à la pâte aux petites cantines. Allez, on y va. Bonjour, enchanté. Léonard. Bonjour. De Les Deux Vaches. Diane, bienvenue aux petites cantines. Merci. Entrez. Allez. Alors ici, vous êtes dans une cantine de quartier. On propose de se mettre à table avec les voisins. Donc chez nous, il n'y a pas de cuisinier professionnel. C'est les habitants qui sont en cuisine, en mode participatif. Vous verrez, chacun met le couvert, chacun met la main à la pâte. Moi, j'ai pris mon tablier, donc j'aimerais Super. Bien mettre la main à la pâte aussi. Alors, il faut commencer par vous laver les mains. D'accord, bah, écoutez, on va se laver les mains. Dans l'autre sens. Oui. Quand et comment est né le projet, les petites cantines? À un moment, j'ai eu un accident de la vie et j'ai été vachement aidée par les voisins, y compris par des gens que je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment donné envie de changer de boulot et puis d'essayer de faire un peu du bouche à bouche avec cette solidarité, ce potentiel de solidarité qui existe dans les quartiers et qui est sous-utilisé aujourd'hui. En fait, c'est pour permettre à chacun de retrouver le plaisir de manger ensemble et de cuisiner ensemble des bons produits, des produits bruts. On s'approvisionne en local, bio, permaculture. Si je vous dis c'est une initiative solidaire locale, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces valeurs? Pour nous, c'est la simplicité. Vous avez vu, hein, on fait des tartes aux pommes. Mais c'est qu'un prétexte pour faire du lien de proximité, que les gens se rencontrent, etc. C'est aussi la mixité sociale. On fait se croiser à table différents parcours de vie, différents âges aussi. C'est très intergénérationnel. Et l'idée, c'est qu'il y a des relations de meilleure qualité dans le quartier, quoi. On est dans une logique de partage direct, parce que chacun a quelque chose à donner à l'autre et réciproquement, on est dans la relation. Donc on est dans l'économie sociale et solidaire, mais sur cet aspect de relation. Quelle suite vous voulez donner à cette aventure? On va commencer à essaimer l'année prochaine sur la métropole de Lyon, une ou deux cantines, et puis après mobiliser les communautés qui le veulent et puis grandir en France, dans tous les quartiers. Voilà, vous savez tout des petites cantines, nous on se retrouve très bientôt. En attendant, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon appétit. Les Deux Vaches, Les Deux Vaches, Les Deux Vaches, vache, vache.